السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سوف نقوم بإنجاز الصفحة 26 من سيترونيل سي ام ان ليفري داكتيفيتي. على بركة الله نبدأ. أورتوغراف اون اي 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 conjonction qui relie deux mots ou deux groupes nominaux ou deux propositions. EST, c'est troisième personne du singulier du verbe être conjugué au présent. Et on a en et on. En, on, c'est un pronom à la troisième personne du singulier à un sens pluriel, comme il et elle singulier, mais à un sens pluriel. Et on a ont. C'est troisième personne du pluriel du verbe avoir conjugué au présent. En bimernawa ou et le verbe être musarrafi présent. En pronom personnel mitl il elle singulier ou lakin bimerna el jem' ou en le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel au présent. Semaine 1. Indique la nature des mots en italique, conjonction, pronom ou verbe. 1. Indique la nature des mots en italique, conjonction, pronom ou verbe. L'arganier est un arbre exceptionnel et c'est un verbe. L'arganier est un arbre exceptionnel et c'est un verbe. On écrit verbe. Et il est l'une des nombreuses richesses des régions de Sousse. Il est l'une des nombreuses richesses des régions de Sousse. Et c'est un verbe. On écrit ici verbe. Et d'Essaouira. Et d'Essaouira. Et ET, c'est une conjonction. Et c'est une conjonction. On le cultive pour de nombreuses raisons. On utilise son bois très dur comme bois de chauffage. On le cultive pour de nombreuses raisons. On utilise son bois très dur comme bois de chauffage. On, c'est un pronom. On, c'est un pronom. Et de charpente. Et de charpente. Et conjonction. Et ET conjonction. Et de sarapt. Ces rameux nourrissent les chèvres et les dromadaires. Et les dromadaires, c'est une conjonction. ET conjonction. Et d'asrapt bimana wa les chèvres ou les dromadaires. Ces fruits donnent une huile utilisée dans les produits de beauté. Ces fruits donnent une huile utilisée dans les produits de beauté. Les arganiers n'ont pas besoin beaucoup d'eau. Les arganiers n'ont pas besoin beaucoup de beaucoup d'eau. En, c'est le verbe avoir conjugué au présent. Les arganiers n'ont pas besoin beaucoup d'eau puisqu'ils ont de profondes racines capables de la puiser à 20 mètres. On, c'est le verbe avoir au présent. On écrit ici verbe. 2. Complète avec et ou est. La purée de pommes de terre est le plat préféré des enfants français. La purée de pommes de terre est le plat préféré des enfants français. C'est est, le verbe être. On écrit ici EST. La purée de pommes de terre, mélo, c'est le plat préféré des enfants français. On écrit est le plat préféré des enfants français. Pour faire une bonne purée, il faut des pommes de terre, du lait et du beurre. Pour faire une bonne purée, il faut des pommes de terre, du lait et du beurre. Et la conjonction est d'attrapte ET. Les sonnets. La purée, il faut des pommes de terre, n'hétage les patates, ou le halib, ou le zoubda. Pour faire une bonne purée, il faut des pommes de terre, du lait et du beurre. De la crème fraîche et du fromage râpé. De la crème fraîche ou du fromage râpé. La conjonction ET. De la crème fraîche et du fromage râpé. 3. Complète avec on ou en. En, le pronom, et en, le verbe avoir conjugué au présent. Aujourd'hui, en fait, l'Eid el-Kbir, ma mère et ma sœur ont préparé la mrozia.
Tous les enfants de la famille ont faim. Ils ont hâte de passer à table. Aujourd'hui, on fête l'Eid Kbir. On fête le pronom en N. Nous, n'ihtafil b'Eid Kbir, b'Eid Adha. On fête, nahnou. Aujourd'hui, on fête l'Eid Kbir. Ma mère et ma sœur ont préparé l'ambrosia. Ma mère et ma sœur Melhom ont préparé l'ambrosia. Le verbe avoir, conjugué au troisième personne du pluriel et au présent en ONT. Fait le jumla, on a le fait, n'hétage, damer. On a le sujet, ma mère et ma soeur, on a le fait. Tous les enfants de la famille ont faim. Tous les enfants de la famille, le sujet, ont faim. N'hétage, on a le fait, en ONT, le verbe avoir. Ils ont hâte de passer à table. Ils ont hâte de passer à table. Le déna, il, le pronom. نحتاج لي الفعل ان او ان تي on a le pronom il faut un verbe ils ont hâte de passer à table semaine 2 1 complète avec et ou est en ou en le pronom personnel en ont le verbe avoir conjugué en troisième personne du pluriel au présent L'orange est la richesse du Maroc. L'orange est la richesse du Maroc. Et le verbe être au présent. EST. L'orange est la richesse du Maroc. L'orange est la richesse du Maroc. EST, le verbe être au présent. L'orange est la richesse du Maroc. On compte quatre variétés. La navelle, la sanguine, la salustiana et la latte. On compte quatre variétés. La navelle, la sanguine, la salustiana et la latte. Et c'est la conjonction ET. Ou la sel, ou la latte. On a tout fait l'idafa, l'adf, ou ET. Les oranges navelles ont la peau épaisse. Les oranges navelles ont la peau épaisse. On a le sujet les oranges. Il faut écrire un verbe. Soit et ou en. On écrit en parce que les oranges navelles est pluriel en la peau épaisse. Les oranges navelles ont la peau épaisse. Elles sont sucrées. La sanguine est plus acide que la navelle. La sanguine est plus acide que la navelle. La sanguine, c'est le sujet. Il faut trouver un verbe. Et la sanguine est plus acide que la navelle. On l'appelle ainsi car sa couleur rappelle celle du sang. On l'appelle ainsi car sa couleur rappelle celle du sang. On le pronom. On l'appelle ainsi car sa couleur rappelle celle du sang. Les Salustianas n'ont pas de pépins. Les Salustianas n'ont pas de pépins. N'ont pas de pépins. On a le sujet. Il faut trouver un verbe. Les Salustianas n'ont pas de pépins. ONT, le verbe avoir. Les Salustianas n'ont pas de pépins. Elles sont très juteuses. Elles sont très juteuses. La latte est la reine des oranges. La latte est la reine des oranges. La latte, c'est le sujet. Il faut trouver un verbe. Et, EST, le verbe être. Et la reine des oranges. La latte est la reine des oranges. Elle est très goûteuse. Elle est très goûteuse. On a le pronom elle. Il faut trouver un verbe. Et, EST, le verbe être au présent. Elle est très goûteuse. On lui a donné ce nom. Latte veut dire tard en anglais. En ON. On lui a donné ce nom. Latte veut dire tard en anglais. Parce qu'on récolte cette orange à la fin de la saison. Parce qu'on récolte cette orange à la fin de la saison. Récolte. Il faut trouver. Récolte, c'est un verbe. Il faut trouver le sujet. Le sujet, c'est en ON. Le pronom ON. Parce qu'on récolte cette orange à la fin de la saison. Parce qu'on récolte cette orange à la fin de la saison en mai. Les navelles, les sanguines et les salustanias sont récoltées plus tôt en décembre et janvier. Les navelles, les sanguines et les salustanias sont récoltées plus tôt
en décembre et janvier. Les navets, les sanguines et les salustaniens. Les navets, les sanguines, wa les salustaniens. La conjonction, l'adf, wa, rabt. 2. Justifier l'orthographe des mots en italique. Justifier l'orthographe des mots en italique. Le Maroc est le pays des arguments. On écrit et parce que le sujet, le Maroc, est singulier. On écrit et parce que le sujet, le Maroc, est singulier. Le Maroc est le pays des arguments. On écrit et parce que le sujet, le Maroc, est singulier. Le sujet, le Maroc, est singulier. On cultive beaucoup d'arguments au Maroc. On cultive beaucoup d'arguments au Maroc. On écrit en parce que ce mot ne peut pas être un verbe. On cultive beaucoup d'arguments au Maroc. On écrit en parce que ce nom ne peut pas être un verbe. C'est le pronom sujet du verbe cultiver. مثال أول كتبت A E S T لأن le sujet singulier le Maroc. مثال ثاني كتبنا en لأن le verbe culture لابد له من فاعل والفاعل هو en. On cultive beaucoup d'arguments au Maroc.